C'est bon? Vous êtes prêts? On regarde la récap? Récap pour Paris. Non, attends. On voit pas le récap maintenant, le récap de ce que je dois faire. Venez, on regarde le récap qu'on m'a fait. Le Giga Chad, le Giga Bogos. Cette communauté, mesdames et messieurs, qui est tellement engagée, j'en reviens pas, les gars. C'est parti pour le récap de Narine Mucus. Merci, Nasal TV. Et on a 6 minutes de récap, mesdames et messieurs. On a 3-4 jours de récap. Donc là, c'est parti. Le mec qui fait des récaps. Ah là, il est en PLS, là, mec. Il a live jusqu'à 4h. C'est probablement un mineur qui va à l'école, les gars. Je peux vous dire qu'il va pas kiffer. Hein. Là, bah après, c'était férié, hein, les gars. Je comprends pas trop ce qu'il fout. Hein, c'est vrai que c'était férié, hein. Qu'est-ce que tu fous quand même, hein. Bonjour à tous, ici Yas, votre présentateur préféré de Nasal TV. Avant de yeah, Yas sujet, laissez-moi vous dire que j'ai failli prendre ma retraite avant même de commencer cette vidéo. Non. Tu prends pas ta retraite, j'en ai rien à foutre, tu continues jusqu'à la fin. Non, c'est trop tard là, tu t'es engagé mec. C'est trop tard, tu t'es engagé. Ok. Et à la fin, je te récompenserai. Ok, mais tu continues à faire des récaps ou je te bute. Deux jours de RP et la quantité d'informations était si énorme que j'ai dû sacrifier mon sommeil ne dormant que 2 petites heures pour vous préparer. Menteur, 2 heures? Eh frérot mec, tu seras bien récompensé, ok? Arrête de dormir maintenant. Récapitulatif XXL digne de ce nom. Car oui, XXL. Quand on lance un défi à Yas de Nasal TV, il le relève haut la main. Et pour répondre à Locke, non, je ne suis pas mineur. Sans plus tarder, accrochez-vous, voici. Il est pas mineur, c'est bon. C'est bon les gars, on est green, on est green. Les 2 journées de Nari. Vous avez mis vos cheveux en arrière aujourd'hui. N'empêche que cette coupe avec le casque, les gars, était parfaite. Chez Madame Lewis, où elle devait rencontrer Ochoa, le nettoyeur de scènes de crime notoire du golf club. Ochoa, aspirant à la direction du club, semble impliqué, mais les indices accusent Tara. Alibi douteux, mensonge. Chat, il a mis les sous-titres, quand même. C'est vraiment le Giga Chad, le boss final. Il a mis les sous-titres, quand même. C'est le boss final. Voilà. C'est le boss final. Excusez-moi. Un rendez-vous avec Bellamy avant son prétendu décès. Tara, quel est ton jeu? Protège-t-elle sa propre personne ou tente-t-elle de sauver Narine et ses comparses? La vraie Merci. Question qui se pose est, ses intentions sont-elles nobles ou néfastes? Oui. C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? C'est vrai. Sont-elles nobles ou néfastes? On ne sait pas, mais j'aurais aimé que tu m'éclaircisses, Nasal TV. Éclaircis-moi. Yas. Très dangereux. Hein? Chat, elle, qu'est-ce que vous il faut, elle, pour triompher. Narine a eu un entretien avec... Ça, les gars, il faut que j'aille voir Jody instantanément et que j'en parle à ça. Je parle de ça avec elle. Propre, l'homme qui détient toutes les informations. Il faudra le questionner minutieusement car il pourrait s'avérer être une source précieuse pour nos reportages futurs. Oh, ouais. Nous interrompons ce programme pour une annonce de dernière minute. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Bellamy. La Locke Industries présente ses plus sincères condoléances à la famille et sollicite un don de 15 subs de la part d'un des actionnaires majeurs de la chaîne en ce moment. Ah, effectivement, on a les 15 subs, alors effectivement. Oui. Effectivement, les riches, vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes, 15 subs. On a un don de 15 subs pour reverser directement à l'association. Oh, c'est dommage, Bellamy. Voilà. Donc, s'il vous plaît, 15 subs pour l'association. Oh, c'est dommage, Bellamy, les gars. S'il vous plaît, les gars. Les riches, vous avez 5 minutes. C'est Nasal TV, sinon il fera plus récap. Il fera plus récap. Donc, dépêchez-vous. Dommage. Attendez. Qu'est-ce que j'ai ça, on s'en fout de Bellamy. Bon, ben, quoi qu'il en soit, ça fait toujours 15 subs de plus pour la chaîne. Exactement, non, effectivement, on s'en fout pas de Bellamy. 15 subs le shout, merci sale riche. 5 subs bébé Ahsoka, merci également, bienvenue. Merci, c'est pour l'association aide au pauvre Bellamy. Voilà, j'espère que voilà. Atalan, 24 mois, merci, 43 mois Thomas, merci, 9 mois Yander, merci mes chéris, bienvenue. Leonardo, le voisin illustre de Tara, s'est mué en allié de confiance. Je sais pas. Leonardo, je sais pas, les gars. Le mec, il me paraît chelou, infecté, le machin, il a pété un boulon, Désireux de joindre ses forces à celles de Narine pour entreprendre une mission de sauvetage mondiale. Des graffitis mystérieux ont fait leur apparition sur les demeures des membres du golf club évoquant la comptine de Tara. Selon Jody, Ethan Carter serait le patient zéro, le Genesis, ayant enduré des horreurs dans son passé. Elle va jusqu'à théoriser une boucle temporelle gigantesque poussant le professeur Ziegun à orchestrer une série d'événements pour y mettre fin. Est-ce qu'on est vraiment dans une boucle temporelle?
Ça, les gars, encore une fois, les gars, il n'y a aucune preuve, rien, tu vois. Ça a du sens, mais c'est pas... Ça a du sens, les gars. Ça a du sens, mais c'est pas... Tu vois. Dans un développement surprenant, le professeur Ziegun a contacté Narine avec des nouvelles alarmantes. Enfin du contenu sur ce qui s'est passé sur Survivor. Oh merde. Non, selon sur Ziegun, quoi il semblerait que notre réalité soit menacée et que Narine doive quitter cette dimension au plus vite. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, alors au moins profitez de la fin. Vous avez kiffé comment je l'ai keblo. Chat, à chaque fois le mec, à chaque fois que je le vois, à chaque fois que me téléphone, le mec il me raccroche au pif, il me voit jamais. Là, vous avez kiffé comment je l'ai keblo. Genre mec, littéralement à la fin, il est en train de m'écraser, genre... Frérot, hey, mec, cette fois, tu restes devant moi et tu bouges pas. Il m'a... Eh les gars, il était sur le point de m'écraser. Vous êtes venu par votre biais, à vous de repartir comme vous êtes venu. Ah tiens, monsieur Ziegun. En guise de legs. Ah tiens, monsieur Ziegun. C'était pas mal, non? Mon petit accent allemand, les gars, il est pas mal. Peter Ziegun offre donc sa villa, sa voiture et son chapeau à Narine pour finir ses jours là-bas. Endroit où foisonnent des indices, notamment une feuille qui liste les événements passés. Putain, les gars, hé. Ok, ok, notez ça. Donc, appelez Jody urgent. Parlez à monsieur propre urgent. Mais juste avant, il faut que je parle à Faust instantanément, les gars. Instantanément, les gars. La feuille, je l'ai filée à Faust. Donc, il faut instantanément que j'aille le voir. Parce que si, mec, cette feuille, c'est le truc. Chat, je vais vous dire la vérité. C'est le truc le plus important du game. J'ai l'impression, les gars. Gaston aussi aujourd'hui. Et mec, cette feuille, c'est le truc le plus important du game. Mais les gars, cette feuille, c'est... J'ai l'impression d'avoir genre... Bah tu sais, genre je suis la voyante dans Loup-Garou quoi, c'est un truc de fou quoi en fait. J'ai l'impression d'avoir l'objet le plus important de tous les RP. La ville. C'est le futur. C'est le futur. C'est pas encore arrivé. Mort de Alexandre Forbes. Mort de Tego Ochoa. Et le 11-11-2024, c'est le dernier hiver. Salut à tous, un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Ici Yass, votre animateur qui vous dit restez souriants, suivez vos passions et surtout, dormez bien. Sur ce, je retourne rattraper mes heures de sommeil. C'est quoi ça TV. Et maintenant, un rapide zapping de ce que vous avez peut-être manqué. Attends, on a droit au zapping en plus maintenant. Non mais attends, il est trop fort mec. C'est roux blanc ça, c'est pas roux clair. Écoutez, ça reste dur. Chat, on a le véritable récap maintenant. Donc les deux derniers jours de RP, vous avez le récap maintenant. Le récap avec des moments clés. Non, ça c'est saumon. Non, c'est un tueur le mec, je vais le régaler. Venez chez madame Taraloïs, elle est morte. Les policiers l'ont tué. Qu'est-ce que vous racontez, mais tout le monde... Mais... Astéria qui court. Madame Astéria. Oh putain. Fous de ma gueule là. Astéria, je l'ai bien niqué. Je l'aime trop en vrai. Non, tu vas pas faire le coup du téléphone. Je vais te harceler, moi, tu me connais. C'est parti du golf club. C'est quoi le golf club? C'est ma gueule, monsieur Mucus. Monsieur Mucus. Bon, monsieur, vous allez vraiment me faire foutre là, monsieur Mucus. C'est qui, Tony? Non, Tony avec un D, monsieur Mucus. Monsieur l'officier, bientôt vous allez gérer le trafic, c'est ça? Non, j'ai travaillé au burger shot, monsieur. Le mec, il est passé de détective à officier, et maintenant il va distribuer des burgers. Et même les burgers, il n'arrivera pas à le faire. Vous avez l'air bien souriant au téléphone, monsieur. Si je pouvais, je vous sauverais la mise, monsieur, mais là, en fait, là, j'ai hâte que vous me fassiez un burger. Bon, oui, d'accord, ce sont des burgers que je voudrais bien, il y a pas de problème, mais vous voulez... Je sais pas. Vous avez vraiment un problème, vous êtes toujours... Je sais pas. Pourquoi as-tu dit... Là, c'est Dark Mucus. Allison, de pas aller chez toi ce soir. Pas d'excuses. Oh, téléphone. Ah, là, c'est bon là.
Oui. Oui. Oui, oui, vous me recevez? Oui, oui. Donc voilà, oui, oui, je suis avec vous. Et j'en étais où pour vous? Alors, c'est pour ça que le rituel sacrificiel, parce qu'ils ont fait un rituel sacrificiel. D'accord, bon, là on est bon. Je me souvenais, les gars, je me souvenais des deux derniers mots qu'il m'avait dit. Le mec m'avait parlé pendant je sais pas combien de temps. Tu sais, il m'a déblatéré un monologue et je me suis souvenu que des deux derniers mots. Tu sais, en mode en cours avec les poésies, tu sais. Merci Nazalté, merci. Bon, après, c'était pas tous les clips, hein, les gars, c'était pas tous les clips. Et j'ai une autre vidéo, alors je sais pas si c'est Nazalté. J'ai une autre vidéo, mesdames et messieurs. Et franchement, on est gâtés. On est gâtés. Et là, cette vidéo s'appelle Extrait étrange. Donc, Nazal TV. Ou attends, c'est quelqu'un d'autre? Et là, on n'a pas fini, mesdames et messieurs, de faire des récaps. Yes. Petite vidéo très rapide et très courte. C'est Yas encore. Quelque chose que j'ai remarqué en faisant le montage du dernier résumé. Ça se passe sur cet extrait-là. Si vous le remettez en boucle, regardez bien. Il y a une petite chose qui change sur la vidéo. Je sais pas si les admins sont juste fous et sont trop chauds. Non. Moi qui suis parano. Non. Vous faites un arrêt sur image et ben vous pouvez voir que l'affiche change automatiquement. Ouais, je sais pas, ça me paraît comme un bug, les gars. Chat, c'est un bug, non? Typiquement, dès que Narine rentre dans la pièce. Ouais, mais c'est le truc de Ezra, ça. Ça, c'est le truc de Ezra Gray, les gars. En dessous d'un dôme, puis ensuite, on voit l'affiche de Mice Management. Coïncidence. Ouais, je pense que c'est un bug, les gars. Mais merci, très 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 bonne analyse, hein, les gars. Ce gars-là, il n'y a rien qui passe au travers de ses narines à Nazal TV, les gars. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien. Pas de 1080 aujourd'hui, bah, j'en sais rien, mon gars. Twitch, petite plateforme indépendante. Ouais, non. Peut-être tout à l'heure, hein, les gars. Tout à l'heure, quand il y aura moins de trafic sur la plateforme. Vous allez voir. Vous allez refresh dès qu'il y aura moins de trafic sur la plateforme et je serai à 1080. Mais là, en fait, vu qu'il y a trop de trafic, les chaînes sétières comme les miennes sont pas dans les priorités. Je vais lancer immédiatement le jeu, les gars. Sans plus attendre. Parce que là, les gars, je vous le dis, il n'y a plus de réac, il n'y a plus rien, les gars. On y va direct. Déjà, s'il n'y a pas de Wizard News, j'appelle Arsène Washington, je le flingue. Musique préférée. Juste avant, il faut que je fasse ça. Ça. Merci Samir pour les 10 subs, mon amour. Merci les gars, installez-vous, bande de nobs. S'il n'y a pas de Wizard News, les gars, je vais péter un boulon. Merde, attends. Ma cam, elle est mieux à droite, c'est ça? Elle est mieux ici, les gars? Ok. Oh! Ouais, ok, je me décalerai un petit peu, attends. Comme ça. Ok, attendez. Parce que là, j'ai pas envie de leak. Clac, clac. Je me connecte, les gars. Et là, on a du pain sur la planche, les gars. On a du pain sur la planche. Les gars, les scénaristes, ils ont mis les bouchées doubles. Là, les admins, ils ont mis les bouchées doubles. Qu'est-ce que je vous dise? Ok, connexion en cours, téléchargement en cours, les gars. Je switch la chaîne dès que je peux. Monsieur Propre, je crois que c'est à lui de me contacter, les gars. Oh, il y a 195 éléments à télécharger. 195 éléments à télécharger, les gars. Les aliens. Il y a des gens, ils m'ont dit qu'ils voulaient le son du jeu plus fort, c'est ça ?
Je vais dès maintenant le faire avant que ça m'énerve. Attends, rappelez-le-moi dès que je suis en game parce qu'il faut que je puisse monitorer. Ok, je vais mettre le son du jeu plus fort, comme ça on essaiera d'entendre la voix des gens plus fort, mais... J'attends d'être in-game parce que j'ai pas envie de crash et j'ai pas envie de louper les news. Mes news! Alors, desktop. Je vais le mettre à 15. Ah, 15, ça risque d'être beaucoup. Je vais le mettre 8. Je suis à moins 5 et là, je suis à 8. Donc, ça risque d'être assez fort. Vous allez me dire, les gars. Vous allez me dire, on va faire un test, hein. Mais Chabotzigan, en fait, j'aime bien avoir ce chapeau, les gars. Comme ça, je suis invincible. Genre là, les mecs avec le Covid, regarde la barrière Covid que j'ai, frérot. C'est le meilleur casque anti-Covid. Et Chabotzigan, les gars, ça me va pas, non? Bon, y a pas eu de news, les gars. J'appelle Arsène Washington. C'est très simple. C'est très très simple. C'est très très simple. C'est trop là, non? C'est trop fort. Allez, attendez, vous le vouliez fort. On va l'avoir fort. Attends, peut-être qu'à 0 c'est bien, mais... À 0 ça peut être pas mal, attends. C'était vraiment trop fort, genre. Si c'était vraiment trop fort, les gars, je vais peut-être mettre genre un 2. Je crois que 2 décibels en plus, c'est beaucoup, mais... On était à moins 5 à la base, les gars, ok? Là, on est à... Là, maintenant, on est à 2, ok? Donc, vous allez me dire. 20h55. Bonsoir, Narine. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Vous êtes occupé? Non. Vous pouvez passer à l'agence? Oui. Allons-y. Et le F, il est là ou pas? Oui, le F, il est pas avec nous, mais il va se libérer là bientôt. Ok. Bah, il faut absolument lui... Il faut qu'il soit absolument là, c'est ça? Ah ouais, il faut absolument qu'il soit là, ouais. On l'appelle tout de suite. Merci. Bon, si c'est trop fort, les gars, je mets à 2. Je mets à 0 alors, et c'est bien 0. Je mets 0, les gars. Là, on est à 0. J'appelle détective. Oui, allô? Oui, il arrive actuellement à l'agence. Vous pouvez venir. C'est toujours fort, les gars, ou pas? J'arrive tout de suite. À tout de suite. Très bien, ok. Jody, on appelle Jody. Elle doit être très occupée, elle aussi. Hein. Je sais toujours pas où c'est l'agence, les gars. Faut qu'on finisse notre conversation, c'est essentiel. Les gars, je suis le premier connecté, les gars. C'est très simple. Attends, que je m'en souvienne, c'est où, là? Ok, c'est ici, ok. C'est bon, je vais m'en souvenir. Vous avez vu mon bolide, les gars, ou quoi? Oh! La Zigane mobile! Boum!
Oui, bonjour, vous avez appelé un taxi? Ah oui? Oui, nickel, merci. Oui, merci beaucoup. Et du coup, non, il n'y a pas moyen? Frais d'ouverture de deuxième porte, c'est 40$. Oh bon, bah d'accord, je vous filerai même 80. Vous allez où? Du coup, mon garage, s'il vous plaît. Ok, montez alors. Montez. C'est parce que je négociais pour rentrer dans une voiture, Charlie. Attends, je te rappelle. Ok, 500$ chacun. Attends, je te rappelle. Frais d'insolence, attention, frais de discussion. Vous voulez discuter le prix? Oui, dis-le. Allez, à tout de suite, Charlie. Attends, désolé. 800$ par personne maintenant, c'est terminé. Putain de merde, Vous voulez les frais de vitesse ou pas? Frais de sécurité, 30$. Frais de sécurité, 30$. Oui, 30$, oui, on met 30$. Ouais, 60$, je mets. 60$, ok, je suis en frais de sécurité là. J'ai du sécurité pas escargot. Ah, frais d'escargot, 30$ en plus. Non. Attends, frais de lièvre. Lièvre, accélération lièvre, 120$. Copie, ferme ta gueule, je touche. Non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon. Frais de discussion, 40$. Frais de tournage, oui. Non, mais. On va crever avant, c'est pas possible. Comment ça, vous avez crevé avant? Je suis le meilleur pilote de la planète. Au contraire, c'est mes frais de sécurité, on a payé, bordel de merde. Ok, frais d'insolence. Frais du bénis, allez, hop. Hop quoi? Frais de mépris de classe. Frais de mépris de classe, 100$. Ça fera 1000$ forfaitaire. Par personne. Par personne? 1000$ forfaitaire par personne. Ok, il paye pour moi. Parfait. Voilà pour vous. Merci monsieur. Allez, bonne journée. Je mettrai 5 étoiles, oui. Allez, 5 étoiles. Je m'en lasserai pas les gars. 2000 balles. Astoria malade mental. Rendez-vous 23h30. Attends, elle, je vais l'appeler la mamie là. Ça va, 2000 balles les gars, c'est rien. Oui, Narine. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va. Oui, vous avez reçu mon message? Oui, vous me faites chier avec vos messages. Vous pouvez pas m'appeler directement avec votre vieille voix là? Bah non, parce que je sais pas, là, mon téléphone, il dit que tout le monde il est occupé quand j'appelle, alors j'ai décidé que j'arrête. Bah c'est normal, il dort. Et bah, j'en ai rien à foutre, moi j'envoie des SMS. Vous êtes précoce, madame Astoria, vous êtes précoce. Oui, et bah je l'ai toujours été et je pense que ça changera pas jusqu'à la fin de ma vie. Ah bah ça dépendra de votre cycle hormonal et nictémérien. Alors sachez qu'à 64 ans, il n'y a plus de cycle hormonal. c'est terminé. Ah ça dépend, Kim Kardashian, elle aura quand même un cycle hormonal très dérangé à 64 ans, croyez-moi. Oui, mais en même temps avec tout le plastique qu'il y a dans son corps, à mon avis, il n'y aura pas que le cycle qui sera dérangé. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe à 23h30, madame Astoria? Eh ben c'est l'inauguration du Centre des Ténèbres. Mais et vous voulez y aller? Vous m'avez pas dit que c'était... C'est pas Ezra Gray là encore là? Bien sûr que si, mais moi, je m'infiltre. C'est important de savoir contre quoi on lutte, monsieur Mikus. Ouais, mais moi j'ai peur de mourir là, d'y aller là-bas là, hein. Oh, vous vous foutez pas un petit peu de ma gueule? D'ailleurs, ça fait partie des choses dont il faut qu'on parle, monsieur Mikus. Ok, bah écoutez, moi j'essaierai de venir, mais je vous garantis rien, mais parce que moi j'ai peur là d'aller dans des endroits comme ça maintenant. Parce que vous avez peur de mourir alors que vous êtes déjà mort. Non mais arrêtez avec cette blague de merde, c'est pas drôle. C'est pas une blague, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Non mais on s'en fout, c'est... En fait, c'est le narine de 7 dimensions qui est mort, pas moi, je suis pas mort. Donc il y a plein de trucs que vous m'avez pas dit là, monsieur Bucus. Mais comment ça, je vous ai pas dit, bordel, toute la vie au courant que je suis mort déjà? Eh ben, pas moi, monsieur Bucus. Alors, il faut savoir qu'est-ce que vous faites, à qui vous dites des choses, parce que moi, j'étais pas au courant. Je l'ai appris par quelqu'un d'autre, et un autre chevalier d'ailleurs entre nous, et je me suis dit que je pouvais certainement plus compter sur elle que sur vous, monsieur Bucus. C'est qui? Didi. Qui? Didi. Dylan? Didi. C'est qui, Didi?
Ah bah c'est Didi, c'est Didi. Ok, bah écoutez, je vous fais le résumé, ok? Ouais. Donc on a trouvé ma tombe ici, d'accord? Donc Narine Mucus de cette dimension est mort. Moi j'ai pris un portail et comme je vous ai dit, je viens d'une autre dimension. Donc dans ma dimension, moi je ne suis pas mort. Narine Mucus n'est pas mort car c'est moi. C'est bon? Ouais, ça veut dire que moi j'existe dans une autre dimension alors. Exactement. Donc, je suis morte, ouais. Oui. Et en fait, apparemment, dans la ville, il y a un portail qui permet de se téléporter dans d'autres dimensions. Et peut-être que c'est ce qui va falloir qu'on fasse, parce que cette ville de merde, elle est sur le point de péter. Oui, monsieur Mucus, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, sur ce point-là, effectivement. Et je suis d'ailleurs en train d'essayer de construire un temple de la lumière, un endroit où on puisse se retrouver pour discuter plus tranquillement. Ok, vous me tiendrez au jus sur cet endroit, vous avez besoin de budget? Oh non, il est déjà construit, il est déjà fait, j'attends juste des autorisations de mon chevalier numéro 3. Ok, bah très bien, écoutez, je serai toujours disponible, voilà. N'hésitez pas, même si parfois je suis indisponible comme la dernière fois qu'on s'est parlé, je tiens encore à m'excuser pour ça, mais voilà, j'étais absolument débordé. Oui, y a pas de souci, monsieur Mucus, je crois en votre âme pure et en votre bien science, et bon. Merci, ma voyante préférée. Oui, bah en même temps, je suis la seule que vous connaissez, j'imagine, donc... Non, c'est faux, Delphine, ma mère, faisait du voyeurisme. Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose. Ça va, vous avez pas trouvé subi d'ailleurs dans votre enfance? Non, écoutez, c'était génial. Ah, bon, merci. Oui, mademoiselle. Allez, passez une bonne journée. Oui, bonne journée. À tout à l'heure, peut-être, ou peut-être à 23h30, mais c'est dangereux, voilà. Oui, je sais, monsieur Mucus. Eh bien, peut-être, à plus tard. Au revoir. Au revoir. Ok, monsieur, ça va ou quoi? Ça va, on va à l'intérieur. Ouais, vas-y. Les branleurs là, c'est fini là, au boulot là. Ouais. Vous allez bien, Narine? Ça va et vous? Ça va. Ça va, Narine, tu vas bien? Ouais, vous avez des mouchards sur vous, faut qu'on se mette un poil ou pas? Non, on vient de se réveiller, hein. Moi, c'est toujours le même. C'est vrai que moi, j'ai mis mes vêtements là, dans la machine à laver. Et donc, s'il y avait un mouchoir, il serait KO technique là. Même mon masque, je l'ai trempé dans du Javel. Pareil, j'ai nettoyé mes vêtements dans le jacuzzi derrière. Vous avez tous nettoyé vos vêtements? Ah, moi, j'ai pris des nouveaux vêtements là. J'ai racheté les parfait. Vous avez fait le lavage complet dans la machine, etc. Donc, s'il y avait un mouchoir ou un pièce électronique, c'était foutu, hein. On est d'accord? Ah oui, on est bien d'accord. Comment ça, il y a de l'écho, les gars? Il n'y a pas d'écho, les gars? Qu'est-ce que vous racontez? Alors, je pense qu'on va commencer cette discussion avec Monsieur Faust. Si, s'il te plaît. Tu peux comparer à cette discussion, s'il te plaît. J'essaie d'arrêter. Pourquoi tu prends? Il est mis sur un travail. C'est amical, c'est amical. Oh putain. La clé. Pardon? Oh. Vous avez dit quoi? Je sais pas, il a dit est-ce que le ciel est clear? Je sais pas ce qu'il a dit là. Il a dit des éclairs. Oui. Ah, il a dit l'éclair, d'accord. Il a dit l'éclair, oui. Charles l'éclair, oui. Et on l'a mis en PLS direct. Alors dites-moi, monsieur Post, vous avez l'air en forme aujourd'hui. Le papier. Le papier, pour le moment, il n'y a pas de résultat. On a essayé 3 produits différents. Ça fait partir légèrement le café, mais ça fait pas apparaître l'encre. C'est qui on? Moi. Vous et qui? Moi, je dis on, c'est le laboratoire. Quoi. Attends, je me rapproche parce que. Pour que vous entendiez, les gars. Non, c'est plus. Tu as l'air sous pression. Non, je me rapprochais parce que. Je suis du mal à entendre.
Ah, il boude. Ça y est, il boude. Non, non, mais c'est t'inquiète pas, c'est moi, c'est mes oreilles, c'est mon casque. Ah, ouais. Hein? Oui, le casque que j'ai sur la tête, interdimensionnel. Oui. Il est pas bien du tout. Ah, attends, je te rappelle. Ouais, t'inquiète, je te rappelle. C'est qui? Pardon? C'est qui? Mais vous êtes en couple, vous deux, ou quoi? Mais c'est... Il lui arrive quoi? Non mais attendez. Déjà, le gars, il dit « on ». Je rappelle que ce papier, c'est ça donne le putain d'avenir. Y a personne qui a vu ce papier. Ok, mis à ok. Part moi et vous, y a personne. Ok, donc vous n'avez pas réussi à retirer la tâche et ça fait pas apparaître le... C'est ça, mais il y a peut-être une solution. Donc moi et le laboratoire, on est en train de voir. Ok. Et c'est qui le laboratoire? Il y a des gens? Ou c'est juste non, un objet? C'est l'objet. Ok. Ok, maintenant, deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on sait qu'il y a probablement Monsieur Forbes qui va mourir aujourd'hui? Non, normalement, le prochain meurtre, ça doit être Steve Parker. Ah oui, c'est vrai. Il n'y avait pas une histoire. Mais avant ça... Je suis un sniper, une balle entre les deux. Oui, Monsieur Washington. Oui, Monsieur Mucus. C'est très simple. J'attendais les news aujourd'hui. Il n'y a pas eu de news. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de news, vous voyez, je suis quand même assez découragé. Voilà. Vous êtes tendu là ou vous êtes découragé? Vous êtes comment? Ah, je suis tendu, je suis pas bien, vous voyez. Là, sans les news, là, c'est très compliqué de commencer une bonne journée, vous voyez. Quand il n'y a pas les news. Donc, en fait, c'est très simple. Je vais déposer plainte contre vous et votre clique, là. Et c'est très simple. Soit vous commencez à bosser, soit ça va barder. Voilà. On n'est pas obligé d'en arriver là, quand même, Monsieur Mucus. Si, vous allez bosser, en fait, là. Bon, bah, je vais appeler Riggs, là. Il a déconné de pas poster. Oh là là. Désolé, Narine, je l'appelle tout de suite. Attendez, parce qu'il y a des news. Il y en a une flopée, c'est quasiment un court-métrage. Ah. Vous me les enverrez par mail, alors? Avec plaisir, Monsieur Mucus, en espérant... Merci, parce que on aime bien les news, ici. Ah, bah ça fait plaisir. Je vous aime aussi, Narine. Allez, au revoir. Bisous. Allez, salut. Qu'est-ce que vous avez foutu encore? Bah, c'est Faust, il lui a mis un pied de biche dans la gueule. Vraiment? Oui. Mais pourquoi? Mais Monsieur Faust, vous êtes très vexable aujourd'hui. Je suis un... Oui, allô? Ouais, Narine. Ok, vous et moi, on a des choses à se dire. Oui, là, tout de suite, je pense. Alors, je suis fière, si tu peux me rejoindre. Ok, donnez-moi 5 minutes, le temps que j'arrive. Oh, ok, ça marche, bah, je t'attends, tout de suite. À tout de suite. Ok, donc là, il faudra qu'on se décide comment on gère ces trucs-là, ok. Je pense qu'on va... Je vais vous laisser vous décider, parce que là, moi, il faut absolument que j'aille voir une autre personne, mais... qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, moi, je pense vraiment à quelque chose de très important, c'est qu'il faut voir ce qu'on va faire avec Tara. Moi, je pense que le point de bascule... Ouais. J'ai beaucoup réfléchi, hein. Je pense que le point de bascule, c'est-à-dire qu'elle est basculée dans le sens, elle veut rejoindre le golf. Mais pas qu'elle est basculée dans le côté obscur. En tout cas, du moins, je pense pas pour l'instant, tu vois. Parce qu'à chaque fois qu'on lui pose des... quand on lui a parlé la dernière fois, elle était très... Comment dirais-je? Ok, bah, vous savez quoi, je vais vous laisser gérer avec Tara. Et de toute façon, en milieu de soirée, dans moins d'une heure, je reviendrai pour gérer ce problème. Mais voilà, donc là, je vous envoie vite fait tout ce qu'on a découvert avec Tara, justement, très tard l'autre soir. Donc en fait, chez tout le monde, même chez moi, chez les Forbes, chez tout ça, il y a ces graffitis. Et en fait, c'est la comptine que je vous avais racontée, vous voyez? C'est la comptine. Il y a la date aussi du 11-11-11 de l'attentat. C'est ça. Il y a la date de la fin du monde, je pense. Hein. Non, ça c'est le 24, je crois, la fin du truc sur le papier. C'est... Ouais, 11-11. Mais c'est quoi ce bordel? Parce que... À l'église, c'était les mêmes tags.
Voilà, et donc devant chez moi, c'est pareil, il y a ce putain de tag là, 7, 8, machin quoi, et je crois que l'on les a tous là. Mais sauf qu'à l'église, c'est dans une autre langue. Ouais, c'est en anglais. Oui, alors je crois que c'est deux choses qui sont différentes, voilà. Je pense aussi. Hein. Donc voilà, je sais pas si ces tags sont encore là, mais voilà, on les a trouvés. Et Leonardo, il a pété un boulon aussi, il répétait la même chose comme s'il avait perdu la boule. Donc moi, il faut absolument que j'aille voir quelqu'un. Oui. Pourquoi tu m'envoies ça là? Ok. Et ensuite, je vous revois après, ok? Et vous avez encore besoin du papier, du coup, je suppose? Ouais. Ok, bah je vous le laisse alors. Si tu veux le récupérer, je peux te le laisser. Bah non, mais vaut mieux que vous l'analysiez, parce que moi, je l'ai en tête. Ok. Ok, bah bonne journée, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. À vous aussi, attention. Merci. C'est vers là le cimetière? Non, c'est où, putain? Je crois que c'est là le cimetière, je commence à vraiment bien connaître, putain. Je suis vraiment un giga tchad. On l'a poussé à bout, on le pousse à bout le fosse là. C'est marrant, c'est vraiment marrant les gars. On est en train de le pousser à bout. L'antidote les gars, l'antidote en fait, je pense que c'est assez tôt. Et c'est assez risqué aussi l'antidote les gars. Mais j'ai envie quand même de tester l'antidote mais... Oh putain. Malade! J'ai envie de tester l'antidote chat, j'ai envie de... Bon, à la base, il voulait tester sur moi, donc je pense qu'il voulait me piéger, mais... Heureusement, je l'ai pas fait. C'est sérum de vérité. C'est qui ça? Ouais, hein. Bon, ça, vous êtes qui? Vous allez bien? Qu'est-ce que vous foutez ici? C'est ma cathédrale. Je vais faire la messe là comme tous les dimanches, 21h50. 21h50? Oui, là, d'ici quelques minutes. Ok. Venir, de préparer les textes. Ok, peut-être que je viendrai. Merci, bon courage. Merci. je sais. Bon allez, on y va. Ça fait combien de minutes là? Ça fait 5 minutes là, hein? Parfait hein. Là il y a le truc et ensuite le cimetière, c'est pas à droite, non, c'est tout droit. Et là c'est le cimetière, je crois. Il y a pas de voiture? Narine. Ouais, je suis là. T'es où? Je te vois pas. Ouais, je suis au niveau de Isabelle Forbes là. Ah ok, bah j'arrive. À tout de suite.
Elle est arrivée en marchant tellement qu'elle est RP, les gars. Elle est tellement RP. Elle est où ma tombe? Ça va? Eh hey, salut. Ouais, ça va et toi? Ça va. Attention, t'as piétiné ces pauvres gens, t'as piétiné leur mort là. Ouais, mais ils me piétinent tous les jours, donc je m'en fous. Ouais. C'est une façon de voir les choses. Ouais, cette vie nous a piétinés. Pourquoi on les piétinerait pas? Bah, je suis bien d'accord avec toi, putain. Depuis qu'on a discuté, ça fait 2 semaines que j'arrive plus à dormir et que je me pose des milliers de questions. Pareil. Donc attends, le truc de piano là que je t'ai filé là. Ouais. Ça t'a servi? Bah, j'ai pas eu le temps de voir entre temps. Ok. Donc, t'as vu les photos là que je t'ai envoyées? Je te les ai envoyées toutes les photos de graffiti là, de la comptine sur toutes les. Mais sur... t'as pas toutes envoyées, mais tu m'en as envoyé 1, 2, 3, 4. Ok, bon, en gros, voilà, t'as toute la comptine sur le mur. Et après, sur le mur de mon appartement aussi, il y en a, mais elles se répètent. C'est pas toutes localisées différemment. Il y a rien sur le mien. Bah non, mais en fait c'est entre nos deux appartements. Il y a bah tiens, je l'envoie, mais entre nos deux appartements. Tiens. Donc là, en gros, moi je pense que je vais t'envoyer absolument tout ce que j'ai depuis le départ. Comme ça, si t'as loupé quelque chose, comme le piano par exemple, eh bien ça pourra t'aider. Non mais là, ce qui me fait flipper, c'est que c'est entre nos deux appartements. Vraiment, nos deux appartements. Oui, ça aurait pu oui. Être en bas, à gauche, à droite de l'immeuble. Non, c'est pile entre nos deux appartements à la con, putain, on arrive. Oui, mais 7-8, l'hiver survient. C'est quoi ce putain d'hiver? Il va se mettre à neiger ou j'en sais rien? Bah, je sais pas. Regardez le pentagramme, le fameux pentacle. Ouais, mais j'ai rien compris. Ok, tu veux que je te l'explique? Je pense qu'on peut en trouver quelque chose d'intéressant là-dessus. Tu peux essayer de me le renvoyer? Bah, je te l'ai déjà envoyé. Non mais là, sur mon téléphone. Je pense pas, je pense que le fichier il est endommagé. Ah. C'est pour ça. Attends, juste, d'abord je t'envoie certains trucs, ok? Et après on reprend. Vas-y. Donc j'avais beaucoup parlé à AliExpress qui a plutôt bien enquêté. Je sais pas si tu as déjà parlé. Non, jamais, je le connais pas. Ok, c'est un roux qui est complètement malade. T'as vu les tableaux là? Oui, je l'ai vu, mais lui, je m'en méfie comme la peste. Ouais, tu fais bien. Et t'as vu les tableaux là pendant le truc de peinture là? Non. Ça, t'as vu ces trucs de Ezra Gray là, qui les éveillés machin, qui fait sa propagande? Ouais, ça, je l'ai vu, j'y étais. Ok, les livres, les trucs là, les liquides verts, c'est bon, c'est pas un mystère pour toi, les œufs non plus? Non. Les œufs? Ouais, les œufs. Non, les œufs, c'est un mystère. Ah, il y a peut-être un truc que je pourrais te montrer. Tu l'as vu, la statue de l'homme avec un trou à la place de la poitrine? Non. Tu l'as vu, la statue du lion avec les deux yeux? Non. Ok, je t'envoie. Ok, je t'envoie aussi. Bon, apparemment je l'ai vu. Faut que je te montre un endroit, tu vas dire que je débloque, mais faut que je te le montre, suis-moi. T'as un véhicule? Oui. Tu vas dire que je pousse peut-être trop loin, mais... T'as vu la petite tombe au parc central? Ah oui, ça, j'avais vu ça. Et en fait, c'était tout le truc des cœurs, là, du cœur arraché, machin, de la secte, là, c'est ça? Oui, mais c'est okay. Faut que je te montre quelque chose et je me dis, il y a peut-être un truc à creuser par là. C'est toi qui m'a... Non, c'était le mec qui nous avait dit qu'il y avait potentiellement 2 portails dans les égouts. Je l'ai rappelé, il m'a menti. Et d'ailleurs, je l'ai appelé hier soir. Et j'ai oublié de te le dire, le mec, il a une bombe. Mais tu sais que lui, je m'en méfie comme la peste. Hein. Non mais... Il suit vice-gouverneur. Et oui, bizarre. Bon, j'ai mis mon Glock dans la bouche de quelqu'un, longue histoire. Et il s'est pointé pile par les étés. J'étais en mode, mais c'est fou ça quand même. Bah là, il m'a dit qu'il avait une bombe.
Et il va faire péter un truc là. Quoi? Et les prochains sur la liste. Donc tu les veux? Ouais. Aujourd'hui je. Un lion avec les rubis. J'en sais rien. Et là je pense que il va tuer les gens sur la liste. Là c'est le prochain c'est Carter. Steve mais Carter. Pourquoi il tuerait les gens sur la liste? Il a la liste lui? Non, mais je te dis juste les prochains morts là dans la ville là. Ouais bah tu penses pas que Steve Parker je devrais pas rester avec lui? Pardon? Tu penses pas que Steve Parker je devrais rester avec lui ou on devrait rester avec lui aujourd'hui? Donc toi tu veux où là on prend la décision d'altérer à la liste alors c'est ça? Bah, justement c'est ça on doit absolument parler de ça. Selon toi qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit altérer ou pas altérer? Moi je suis d'accord d'altérer. Parce que je me dis déjà toi tu viens d'une putain d'autre dimension Narine d'accord? Oui. Oh, c'est trop bizarre de dire ça, mais c'est trop cool en même temps. Et moi, je viens d'ici. Je suis un voyageur. Ça veut dire que, logiquement, ça fait peut-être 100 fois que je vis la même vie en boucle. 100 fois que je me lève le matin, et que je dis les mêmes paroles, et que je bouffe la même chose, et je deviens complètement taré à chaque fois, tu vois? Mais oui, mais je comprends, mais c'est pas sûr, ça. Eh, d'ailleurs, Narine, ton monde, il est comme le mien ou pas? Ouais, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc. Le gars, il t'a dit que tu devrais rentrer comme t'es venu. Mais t'es venu comment? Bah, en fait, on a passé un portail, justement. Un portail. Quand on était sur cette île. On a trouvé un portail maudit, là, sur cette île. On l'a réactivé, on l'a passé. Et après, on n'a pas compris, mais... On s'est retrouvé dans un endroit exactement pareil. Tout était pareil. Et les gens étaient insouciants. Et même, ils n'étaient pas surpris de nous voir. C'était totalement pareil. Et tu te rappelles pas d'où t'es arrivé? Ah, comment je suis arrivé à Los Santos? Par quel portail où il se trouvait? Ah non, mais le portail, il était sur l'île. Donc oui, si on doit... Il y a bien un autre bout. Ah, bah sur l'île aussi. Mais t'es parti de l'île comment? C'était quoi l'île? En gros, j'ai gagné là. J'ai gagné, moi. Moi, je suis parti de l'île parce que j'ai gagné. Donc, je suis rentré dans un hélicoptère qui m'a ramené ici. À l'aéroport et qui m'a ramené ici. Je pensais que t'étais venu par un portail, moi. Non, j'ai aucune connaissance d'un portail à Los Santos. Oh putain. Oh là là. Et ton monde, de base, t'as pas de souvenirs? Non, pas beaucoup. Mais c'était exactement la même chose qu'ici, hein. C'était la même chose. Ah ouais? Bah oui, il y avait ma maman Delphine, et puis voilà. À Los Santos? Oui. Mais ça se trouve, on est dans une boucle temps. Bah... Une boucle d'une autre temporalité? Mais c'est pas sûr que c'est une boucle, hein. C'est pas sûr que c'est une boucle. Mais si y a des papiers qui expliquent ce qui va se passer et que Bellamy me disait constamment « Le monde s'est fait, refait, combien de fois, toujours la même chose ?» Avec sa voix un petit peu renfrognée, et puis après il me disait « Le monde va être détruit pour se reconstruire. Encore. Encore. » Ouais. Après je te la fais en mode zombie. Oui. Clark l'a dit aussi. En vrai, c'est trop cool, excitant. Une ouais, bah. Un mec venu d'un autre temps, d'un autre espace. On dirait pas le début d'un mauvais film. Charmed. Grave. Non, Stargate SG1 avec les Goa'uld. Non, mais je parlais de ta sonnerie là. Ta sonnerie, c'est Charmed. Non. C'est pas du tout Charmed. Si. Bah écoute. Bah pourquoi je viens d'entendre Charmed? Non, c'était Charmed, hein? Menteuse! Mais non, c'est pas. Putain, y'a Charmed dans ta dimension! Ouais! Buffy contre les vampires aussi, hein? Je sais que je suis fan de Buffy contre les vampires. Mais qui n'est pas fan? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est bien vrai. Ah, ça nous manque des bonnes séries comme ça. Bon, alors, sinon, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai une question. Est-ce que tu penses que je devrais parler à Nova et lui expliquer ce que j'ai vu? Putain, arrête-toi de m'appeler. Oui, allô? Elle a des sonneries aléatoires là, parce que là c'était quoi? C'était la Reine des Neiges là? Oui. Bah écoutez, ça va et vous? C'est pour ma moufette? Le papier du pentacle, les gars, je comprends rien, les gars. Là j'ai vraiment pas le temps, monsieur. Je vous rappelle plus tard. Tout à l'heure, il m'a quand même dit l'eau clear. Bon, j'ai pas le temps.
Il y a Leonardo qui veut me voir à tout prix. Alors lui, il a pété un câble. C'est avec lui qu'on a trouvé, lui et Tara, qu'on a trouvé les tags là, que je t'ai envoyé. Ouais, bah, et lui, il a pété un câble. Les deux ont pété un câble. Mais non, mais lui, il était devant son tag comme ça là. Il était dans le mur comme ça là. Tu m'entends? Ouais. Il était devant le mur comme ça là. Parce qu'en fait, il y a eu les tags chez lui. Il était devant le mur comme ça. Il était en mode 1, 2, la guerre commence, 1, 2, 2, 3, 4, là, l'hiver arrive, 3, 5, 6, le diable. Et il répétait ça en répétition. Il avait l'air normal là quand il m'a appelé. Tu veux venir le voir avec moi? Ah ouais, il faudrait le voir, oui. Mais tu voulais me montrer un truc là? Oui, viens, on y va rapidement et après on va le voir. Je suis un sniper. Attends, y'a Nova qui m'appelle là. Oui, tu viens avec moi, je vais. Ah, faut que tu me dises ce que t'en penses. Attends. Oui, bonjour. Ouais, salut Narine, j'ai vu que tu t'as appelé, c'est Nova. Oui, bah je vous rappelle dans 5 minutes. Ça marche, à toutes. Au revoir. Ok. Oh, est-ce que tu penses que je devrais lui dire ce que j'ai vu par rapport à sa cousine et son père? Mais est-ce que... Ah putain, est-ce que je devrais lui dire aussi que son père va crever bientôt? Tu veux qu'on altère les choses, celle la plus proche là-bas, celle qui peut voir pour nous, hein. Bah oui, mais moi, le problème c'est que je sais pas quelle est ta relation avec Madame Nova Forbes, mais moi je viens de la rencontrer, hein. Moi je suis très proche de Nova, c'est une femme géniale. Et tu lui fais confiance? Je tolère, oui. Mais comme toi et moi on s'est promis qu'on allait rien dire sans se concerter sur tout ça, moi je ne parle pas sans ton accord. Bah oui, mais c'est pareil, c'est réciproque, mais dans tous les cas, quand on prend une décision, c'est tellement une grosse décision d'altérer les choses qui vont se passer qu'il faut qu'on les fasse à plusieurs. C'est pour ça que tu veux pas qu'on se pose là, je vais te montrer mon truc, on se pose à un endroit discret, on colle tout et on voit ce qui nous tique le plus, pour voir le plus intelligent. Parce que là, c'est pas une petite décision, là on peut foutre le monde entier en l'air, Marine. Bah en fait non. Je ne pense pas qu'on peut plus le foutre en l'air que ce qu'il est en train d'être foutu en l'air. Tu vois? Parce que dans tous les cas, d'après toutes les prévisions, machin, dans tous les cas, ce monde, il est voué à exploser, à péter. Et voilà, ça va péter. Ouais, ça va péter. Là-bas, c'était censé péter parce que je voulais mettre une bombe contre le mur et retourner chez moi, mais... du coup, je pense que... T'inquiète pas, il y a Donnie qui va mettre une bombe dans le Golf Club, là. Ouais, je sais. Quoi? Comment ça, tu sais? Enfin, pas pour le golf club, du coup. Bah ouais, bah il m'a dit qu'il allait foutre le... Ok, bah, ma voiture, elle est de l'autre côté, moi. Vas-y, je te suis. Tu peux enlever les talons et courir, hein, ou pas? Ah, tu veux courir? ouais, attends, je mets des baskets. Le maxi RP. J'ai tes baskets, tu... dans mon sac. Ah oui. Il est où, ton sac? Bah, il est sur mon épaule. Ok, bah je les vois pas. Par ici! Putain, tu cours vite! Ah bah oui! Hé! D'ailleurs, tu sais, sur le papier! Ouais, il faut que j'appelle Gaston là, parce qu'il y a Romuald Big Man aussi qui est mort sur le papier. Attends, quoi? Oui! Oui, allô? Ouais, il faut que je te voie en urgence dans quelques temps. Là, j'ai des trucs à faire, mais il faut vraiment. Vraiment! Vraiment que je te vois. ouais, ça va, je te rappelle. Vraiment. J'ai été convaincante ou pas? Non, c'était un peu trop là, j'ai trouvé là. C'était un peu trop là. J'avais dit 6,5 sur 10 là, c'était un peu trop abusé là. Je voulais lui montrer l'urgencité de la situation. C'était qui, Nova Forbes là? Ouais. C'est quoi ça? C'est qui là? C'est qui? Je sais pas, c'est une voiture. Non, il y a des gens là, il y a des gens. Où? Ils sont où? Mais tu les vois pas, tourne la tête à droite. Ah ouais, attends, laisse-moi regarder. Prends une photo. Attends, il faut que je sorte de la bagnole. Oh, je vais fumer une clope. Pas du tout grillé. Oh les espions. Oh les espions de merde. Ils me disent quelque chose tous les deux. Touche le GPS, dis-moi où je vais. Ok, va au parc de Central Park, tu vois aussi? Non, GPS, GPS. Oh merde, attends, mais... attends. C'est pas Parker? Bah si, c'est Parker, je crois.
Et le mec, c'est Miles High, non? Ah oui, c'est Miles, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Tu veux que j'aille les voir? Je les connais. Mais t'as pas kidnappé Steve Parker il y a pas longtemps, toi? Si, mais je suis irrésistible, il a déjà oublié. Je pense qu'il a eu un peu chaud aussi au froc. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée du coup. Je suis un sniper. Oui, allô? Ouais. Oui, comment allez-vous, Mucus? Ça va et vous? Ça va et toi? Vous avez vu les photos? Ah, allô? Là, je suis. Allô, vous avez vu les photos ou pas? Le contact passe pas là, j'ai plus de réseau. Vas-y, t'inquiète. Je vous rappelle. Il y a trop de personnes qui m'appellent, moi aussi. Ouais, moi aussi, là, c'est terrible. Mais là, en même temps, là, la ville est en train de péter, donc... Il faut d'ailleurs que je vous envoie le papier par mail, hein. Le papier de quoi? Lequel, déjà? Le papier français. Le papier du futur. Ouais. Mais on se fait une promesse, c'est que dès qu'il y a une action qu'on veut faire, on s'en parle pour pas faire de conneries. Bah oui, là, il faut inclure un maximum de personnes... Mais de confiance, et parce qu'en fait les responsabilités sont trop grandes pour juste une personne. Et si jamais il y a des répercussions, c'est à gauche ou à droite là. Je te parle d'un truc, j'en ai jamais parlé à personne. Dis-moi. Romuald Bigman, c'est le père de Gaston, ça tu t'avais compris? Oui, bah généralement... Mais c'est aussi le partenaire de cellule Human Labs de mon pote, Ethan White. Ah bon? Oui, et il arrête pas de me dire que... Romuald lui a donné la responsabilité de surveiller Gaston et Jason. Sauf que moi, ce mec, je l'ai jamais vu. Et est-ce que ce serait pas lui, le putain de patient zéro? Mais oui, c'est lui! Mais attends, tu m'as dit que toi, Genesis, c'était ton Ethan Clark, là. De rejoindre Miss Management, oui, c'est ça, Ethan White. Donc oui, s'ils étaient tous les deux dans la même cellule. Ça a oui, du sens. Sûr. Tu veux que je te dise un truc? Mais par contre, il est mort, hein. Il est mort. Non? Bah apparemment, de ce que me dit Ethan, non, il est pas mort. Bah écoute, sur le papier, il est mort. Oui, c'est tout le problème. Mais il y a aussi écrit sur le papier qu'il y aura la rencontre entre les deux patients. Si on part de la tête, zéro. Est-ce qu'il est mort? Mais Ethan White est censé être mort aussi sur papier. Tiens, attends, je l'envoie par mail. Ça commence à me casser les couilles, chat. Les gars, je lui envoie tout dans la gueule, j'en ai plus rien à foutre. Parce qu'en fait, ce putain de papier, les gars, j'en ai ras le cul, c'est trop. Clac. Le papier, les gars, c'est le futur, ok? Clac. Patient zéro, c'est le clone de Romuald qui lui est mort. Tu penses? Je suis en train de voir le papier. Je suis un sniper. Ok, regarde le papier. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Mucus. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Dites-moi que vous pouvez me sauver la vie une deuxième fois. Encore? Ouais, il me reste quoi là? Deux petites heures. Qu'est-ce que je peux faire? Un document, n'importe quoi, quelque chose qui peut me sauver. Ah, du lourd en fait. J'ai envie de le sauver, les gars. Monsieur Mucus, je suis à genoux, pitié. Mais ça doit être en rapport avec quoi? Toujours la mort de monsieur Andrew Lewis? Andrew Lewis ou bien la secte, la Erzagré, tout ça. C'est rien, même pas un petit truc qui peut me sauver. Il faut qu'on se voit, monsieur Simplet. C'est-à-dire, vous allez me baiser dans la vraie vie après d'avoir posé un nombre incalculable de fois, c'est ça, monsieur Mucus? Attendez, comment ça je vous ai baisé? Oh, je sais pas, non. Bon, on
se voit quand? Parce que là, j'ai vraiment deux petites heures avant de faire virer la. Je sais pas, dans 20-30 minutes. Rappelez-moi, monsieur Mucus. Ok, je vous rappelle. Ça marche. Chad, le blême, c'est que il y a sa signature sur le truc du golf club, les gars. Marine, je viens de biter un truc là. Quoi? 11-11-11, le premier attentat. Oui. Anomalie du premier sujet d'expérience raté. Est-ce qu'ils ont pas essayé de faire exploser le truc parce que ça a mal tourné en fait avec l'expérience? Ouais, c'est possible, ouais. Donc ça veut dire que ce serait. Si on part du principe que Romuald est la première expérience, est-ce que ce sera pas devenu un mutant ou un truc de malade comme ça? Bah oui, c'est possible. Oh putain, attends, il faut que je t'envoie un truc, mais là si. Il faut. Non, si... Il faut attends. Attends. Il faut que je t'envoie un truc, mais là, si ça fuite, je perds mon contact. Il est mort. Ok? Écoute, je te. Non, mais je t'envoie, mais. Mais voilà, de toute façon, on est déjà tous morts, hein, si on bouge le petit doigt, là. Oh non, il me l'avait airdrop. Attends, je trouve pas. Ok, je l'ai trouvé. Ça, c'était dans le parking du golf club. Pour que vous ayez une ref, chat. Mais c'est rien, c'est Frankenstein. Je suis un sniper. Oui, allô? Allô, ça va vous bien? Êtes en vie? Oui, je suis en vie. Vous allez bien? Oui, enfin là, je vais à un rendez-vous. Avec qui? Où ça? Un endroit que je n'ai pas le droit de dire. Même à Narine Mucus. Putain, réfléchissez des fois, Narine, s'il vous plaît. Ok, j'ai compris. Ok, super. Je disais, vous avez reçu les photos ou pas alors? Oui, merci beaucoup. Merci okay, beaucoup. Bon, c'est très super. Inquiétant d'ailleurs, sur mon appartement, il y a aussi ça. Il y a 7, 8. Chez vous? Oui, dans mon appartement, vous oui. Pas du golf, vous? Mais non. Comme par hasard. Ok. Et vous, c'était combien? 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc du coup, il nous en manque toujours un. C'est quoi? C'est le diable, c'est ça? Ouais. Ouais, il nous manque le diable. Ok, bon bah, je suis arrivée. Je vous rappellerai après. De toute façon, Leonardo, il va arriver aussi. Donc, il veut qu'on se remette à chercher après, plutôt logique. C'est lancé la part de Denis. Ah, plus tard, Narine. Attention à toi. Bah, vous me tenez au courant, alors. Prenez soin de vous et restez en vie. Allô? Ok. Vous regardez le papier, là, encore? Ouais, non, là, je suis surtout en train de regarder la photo que tu m'as envoyée. Ok, parce que là, tu t'es foutu de ma gueule, là. Moi? Ouais. Bah, en fait, ça a l'air d'être une déco d'Halloween. C'est Frankenstein qui sort d'un cercueil. Après, je sais pas si tu connais Frankenstein dans ton monde. Tu connais non. Frankenstein? Mais oui, je connais Frankenstein, mais là, c'est pas Frankenstein. Là, c'est peut-être un zombie dans... Bah, ça a l'air d'être une décoration, non? À l'hôpital, là, il y a des gens qui sont en tenue toute jaune, là. Ah ouais? Ouais. Bon, viens, je te montre rapidement ce que je vais te montrer, après on va voir okay. L'hôpital, on va expliquer. C'est Antidote. Regarde. Attends, mais c'est qui, ça? Regarde la statue, il y a un trou dans son dos. Oui, j'avais déjà vu, ça. Ouais, mais viens voir. Bébé, vous parlez au poulet? Oui, je parle au poulet, je suis en train de faire une consultation. Me fais une consultation, vous pouvez. Ah, pardon, pardon. T'as vu qu'il regardait vers le bas, on est d'accord? Oui. Non mais... j'ai voulu faire un bain de minuit ici. Non mais oui, on a vu, mais y a rien. Bah dans le tunnel, si, y a quelque chose. Bah oui, mais on peut pas y aller. Oui, mais est-ce que y a, c'est par mécanisme? Écoute... Ah, mais il faudrait trouver le mécanisme. Mais là-dedans, il n'y a rien, je crois. Hein. On a cherché partout. Est-ce que c'est pas une fameuse de ces pépites à foutre dans son dos pour ouvrir un mécanisme en dessous? Ah. Je sais pas trop. Hein. Non, tu penses pas? Je pense pas. Ah oui! Oui! Bah, oui! Ah oui, dans le dos du mec! Oui! Ah! Ah oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une porte en dessous?
Oui, bah ça j'ai compris. Donc effectivement, on doit mettre quelque chose là-dedans et dans, à la place du cœur, dans le dos du gars. Et quand tu regardes, il regarde en direction de la tombe de la petite fille. Ah, peut-être que du coup la tombe de la petite fille s'ouvre et après il y a une clé dans peut-être sa tombe. Il y a un truc en dessous, je sais pas. La médaille, les gars. Arrêtez. Ah ouais, mais t'as déjà vu un espèce de truc hexagonal qui pourrait rentrer? Bah c'est pas hexagonal, c'est rond surtout. C'est rond? Oui. Ouais, mais les pépites, c'est pas totalement rond. Eh, c'est qui ça? C'est qui ça? Regarde. Quoi? C'est qui le mec en gris là? Je sais pas pourquoi. Il a un bonnet et tout là. Il est au téléphone et tout là. Bah ok. Mec. Hein? Tu deviens parano, je pense qu'il faut. Mais non, mais il faut. Là, bien sûr que je suis parano, putain! Tout le monde est observé là, tout le monde est. Tout le monde oui, sait tout là. Moi aussi, je suis parano, mais si je garde pas un minimum de self-control, je vais péter un boulard. Mais c'est pas toi l'agent secret là, t'es supposé de regarder dans ton dos quand même! Oui. Regarde, quand tu regardes par en dessous, y a un accès ou une porte. Oui, j'ai vu, là. J'ai vu. Non, mais regarde. C'est. Oui? La tombe de la petite fille, elle est... T'en as déjà te regardé 100 000 fois ici, les gars. Bah, il regarde pas du tout, vous. Bah, il regarde pas la tombe, là, hein. Non, mais je pensais, dans mes souvenirs, oui, mais non. Mais elle est où, la tombe? Elle est là. Elle est partie où? Moi j'aurais fait quoi? J'aurais fait ça et ça. Non, elle est bien là-bas là. La tombe. Elle est bien ici, ouais. Ouais, t'es bien là. Elle était bien là. Et t'as vu ça? Les dates. 2022, 0803. Et du coup? Bah, je sais pas. Regarde le papier. Regarde le papier, est-ce qu'il y a des dates qui coïncident? Chat, si on regarde le papier que j'ai là. Malheureusement, 2022, je l'ai pas. 2022, y a rien. 2018 et après y a rien jusqu'à 2024. Bon, ouais. Mais dans un objet rond jaune, il faudrait trouver, oui. T'as vu l'image d'un journal intime rose, une petite fille qui racontait qu'elle était dans un endroit bizarre où elle mangeait des cœurs de lapin. Je crois, oui. Ah. Dommage qu'il n'y ait pas de nom sur cette tombe. Peut-être qu'on trouvera un truc plus tard. Mais là, il faut qu'on empêche la rencontre du coup entre Genesis et entre le patient zéro. Si elle s'est pas déjà faite. Si elle s'est pas déjà faite hier. Enfin non, il y a la semaine dernière, pardon. Non, j'ai passé toute ma soirée. Hein? Ethan. Ouais, quoi? C'est Lenny Carter. Et c'est qui Lenny Carter? C'est le patron de la concession à voiture. C'est mon meilleur ami. Narine, t'es en train de creuser la tombe d'une petite. Allez, y'a pas le choix, y'a pas le choix! Ok, je te cache. Ah.
coup, c'est le patron. C'est le patron de qui? De la concession moto. Attends, mais c'est là où tu bosses, non? Non, voiture. Jody Gus, qu'est-ce qu'elle me veut, Nova? Elle a l'air paniquée. Viens, on va la voir. Ok, ok. Elle m'a dit quoi? Il n'a pas... On lui a tiré dessus. Quoi? Qui? Gustavo. C'est qui, ce con? Ok, il faut que je te dise un truc. Vas-y. Et donne-moi une localisation. Je fréquente Arsène Washington. Et quand il a été sur le lieu du crime de Bel Ami, il se rappelle plus de rien. Il se rappelle plus qu'on s'est vu, il se rappelle plus qu'il y a été, il se rappelle de rien du tout. Oui, mais ça attends. Mais ça on en avait discuté quand dans ton appartement. Oui, mais pourquoi ils veulent que les gens oublient? À mon avis, oui, effectivement. Alors soit les gens oublient, soit les dupliquent. Soit il y a des clones. Ouais, ça je pense. Bon, on va voir Nova. On va à l'hôpital, apparemment il est à l'hôpital. Ok, c'est parti. Donc là, tu penses qu'aujourd'hui, apparemment il y a les news aussi qui... Je sais pas si vous avez regardé les news aujourd'hui. Non, pas encore. Bah il y a les news, faudrait qu'on les regarde. Ok, faudrait qu'on se pose. Au pire, on peut le faire avant d'aller à l'hôpital, comme ça on est au courant s'il y a des choses. Oui. Je vais me garer là. D'ailleurs, je pense à un truc, ce serait super... Attends, c'est pas ce que t'as vu la dernière fois, non. Oh putain. Je trouverais ça fou qu'il parle pas de la mort de Matthew Bellamy, sachant que c'est une icône de Lille dans les journaux, tu vois. Ok, bah attends, je vais regarder les Weasel News, ok? Regarde aussi. Je mets mes écouteurs. Oh, quand je suis RP. Je suis RP, les gars. RP, non? Je mets mes écouteurs, quand même, les gars. Je mets mes écouteurs, les gars. J'ai jamais... Eh, pas mal. Weasel News. V- 1909. C'est ça? C'est ça, chat? 1909? Télévisé du Weasel News. Bonsoir à tous, bonsoir Arsène. Bonsoir Melton. Commençons par une nouvelle bien tragique. Nous apprenons le décès de Bel Ami, le directeur éminent de l'hôpital Saint-Jacques. Okay. Un homme dont le dévouement et la compassion ont touché tant de vies. Eh oui Arsène, nous lui rendons hommage ce soir. C'était un grand homme au grand cœur. Un grand hommage. Héros de notre nation. Et une annonce attendue depuis longtemps, le communiqué du gouverneur Moses, disponible sur le site du gouvernement. Guerre nucléaire, gars. Son retour, son Fallout. Vice-gouverneur Monsieur Fallout. Moses prendra la parole dans les prochains jours pour nous tenir informés. Voici un extrait du communiqué de Monsieur Moses. Je vous promets également que dès que ma santé le permettra, je serai de retour pour assurer pleinement mes responsabilités en tant que votre représentant élu. En attendant, Olia, je vous demande de rester unis, solidaires et vigilants. Des événements majeurs se préparent du côté de nos ennemis, d'après nos informations. Il faut donc être prêt à toute éventualité. Merci. Eh bien, ça risque de chauffer. Une guerre nucléaire? Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Mais tout n'est pas calme dans les rues de Los Santos. César Alarcon, autrefois considéré comme un héros, a été appréhendé en plein cambriolage chez le juge Kruger. Une chute tragique, Arsène. Oui, Melton, pour un homme qui avait autrefois été... Ah, regardez, il y a les graffitis là. Il les leak. Carcérale. Putain. Il y a un A là. Il y a un A. Oh, que oui. Il est toujours là. Effectivement impensable, tout comme le braquage de nos studios, Arsène. Eh oui. Nous avons effectivement été braqués par trois hommes dans nos nouveaux studios de Clear by Weasel, en pleine ouverture de nos studios d'enregistrement de musique. Oui, incompréhensible, car notre but était d'offrir aux artistes l'accès à nos studios Dernier Cri afin qu'ils enregistrent dans les meilleures conditions possibles. Mais tout cela va se régler, Melton, ne vous inquiétez pas. J'espère, oui. Et pour ceux qui recherchent un emploi... Oh là 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 là, vas-y là. Citoyens courageux pour protéger nos rues et maintenir la paix. Et pour les autres en quête d'excitation, ne manquez pas l'événement Box Contender, ce dimanche à 23h. Qui sait ce qui se cache dans ces boîtes scellées? La surprise vaut-elle le risque? Allez savoir. Et Melton, vous aimez les tombolas, il me semble. Oui, j'adore. Eh bien, Perseus en organise une...
Melton te cache dans ses boîtes scellées. La surprise vaut-elle le risque? Allez savoir. Et Melton, vous aimez les tombolas? C'est à 23h? Oui. J'adore. C'est aujourd'hui? Eh bien, Perseus en organise une ce lundi à 21h avec des prix passionnants et des opportunités de réseautage. Des stands seront ouverts par leurs partenaires. Encore une tombola, putain. J'ai marre de faire touiller. Et c'est à minuit que se tiendra l'annonce du gagnant de la tombola par Brittany Anderson. Oui, notre Miss Los Santos, magnifique. Et le chanteur WM s'y produira également. Soyez au rendez-vous. D'ailleurs, voici un extrait de son dernier morceau, 4 anneaux. Dans la ville, j'esquive toutes les michetos. J'ai la haine et je la recrache dans le micro. Soupe et tout, je barre dans le 4 anneaux. Grosse voiture, accélère, j'y file les vêtements. Un grand artiste WM, à découvrir sur toutes les plateformes. Fin de ce journal. Éclatez le son, streamez pas. C'était le journal télévisé du Weasel News. L'information fiable et rapide. D'habitude, c'est moi qui le dis, ça, non?